C'est pour gaming, donc aujourd'hui on se retrouve en nouveau tuto, donc sur Minecraft. Donc je vais vous faire une maison piégée. Donc je vais vous faire. Donc on va aller sur Minecraft. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va bien pour vous. Pour moi ça va très bien. Donc je vais essayer d'avoir les. J'aimerais bien avoir les 50 abonnés. Avoir pas beaucoup de likes, mais voilà, j'aimerais bien avoir beaucoup d'abonnés. Donc dans cette vidéo, voilà, je vais vous mettre, voilà, donc je vais faire un exemple ici, hein. Donc on va aller ici, on va trouver un coin de terre. Donc voilà, on va aller ici. Donc tout d'abord, pour faire la maison piégée, un bloc de quartz. Voilà. Ensuite, il va nous falloir du bedrock. Ensuite, il va vous falloir de la toile d'araignée. Ah merde, pardon. Du bedrock. Voilà. Ensuite, il va vous falloir une TNT. Une TNT, pardon. Et il me semble. Voilà. Donc, putain. Donc, ça. Et. Une TNT. Donc, après avoir mis tout cela, vous allez faire. Donc, vous allez faire comme moi. Vous mettez. Voilà. Trois blocs de quartz. Vous mettez trois blocs de bedrock. Trois blocs de quartz. Et là, vous faites un espace. Voilà. Là, vous mettez le bedrock. Voilà. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien regarder. Voilà. Donc, après, vous allez faire. Vous allez prendre le bloc de quartz. Vous allez faire 2. 3. 2. Voilà. Je crois que je me suis trompé. Voilà. Après avoir fait ça, vous allez faire tout le contour. Comme ceci. Voilà. Vous allez prendre le bedrock et en mettre tout autour. Voilà, comme ci. Voilà. Donc après avoir fait ça, vous allez mettre en hauteur. Donc, vous allez mettre 3. Faut que ça fasse 3. Comme ceci. Oups, je me suis loupé. Donc en fait, je vais vous expliquer bah, pourquoi mettre du bedrock. Donc quand vous allez jouer en survie, si vous faites une maison comme ça,
Et ben c'est que la personne en fait elle va rentrer. Et ben je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. C'est tout simple à faire, hein. Ça met pas beaucoup de temps. Donc je vais faire tout le contour et on se retrouve après. Donc voilà, donc j'ai fini. Donc ça doit vous donner ça. Voilà. Donc ensuite nous allons recouvrir le quartz sur le bedrock. Donc après à la place du quartz, vous pouvez changer de couleur, c'est comme vous voulez. Mais il faut cacher le bedrock. Bah, faut mettre quand même quelque chose qui tire bien. Parce que si vous mettez, admettons, je sais pas si vous aimez bien les couleurs, si vous mettez de la laine, ça va pas le faire. Donc, voilà. Donc, mettez du bloc quartz. Donc ça doit vous donner ça. Donc après, vous allez prendre une porte en fer. Et vous allez aller prendre des plaques de pression. Donc je vais mettre une porte en fer et une plaque de pression. Donc ce qui va faire que vous allez avancer, vous allez ouvrir. Voilà. Donc, après avoir fait ça, vous allez aller creuser trois fois. Vous enlevez trois carrés. Voilà. Voilà. Après avoir fait ça, vous faites ça. On se retrouve quand je donc ça donne ça. Voilà. Ah, c'est pas le moment. Donc après avoir fait ça, vous allez mettre donc de la toile partout. Que en bas. Qui va vous donner ça. Donc après, vous allez mettre la TNT. Ensuite, vous allez prendre de l'herbe et remettre la couche. Voilà. Après avoir fait ça, vous allez mettre les plaques de pression. Voilà, donc après avoir fait ça, vous allez mettre des toiles. Voilà. Et après, vous allez mettre les enclumes. Donc, ce qui va faire que les enclumes, quoi, quand vous allez rentrer, la TNT va péter, ça va péter l'étoile et en survie vous allez vous prendre les enclumes sur la tête. Donc après, pour que la personne voilà sache que c'est une maison, vous cachez les enclumes. Comme ceci. Voilà. Donc, ce qui va vous donner un. Ceci. Donc voilà. Donc là, on va dire que je suis en survie. Voilà.
que je peux pas voler. Donc, on va rentrer. Voilà. Je vais vous mettre quand même peut-être de la lumière. Voilà. Donc, je vais rentrer. Voilà. Donc là, tout va prendre et les enclumes. Voilà. Et là. Voilà. Donc je vous remercie. Donc abonnez-vous à ma chaîne et lâchez un petit like. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Bye!